permet de vous caresser la tête, Albert. Je vous présente le professeur Albert-Claude Benhamou, donc du ministère de l'Éducation nationale, qui est donc incarné dans notre robot Buddy. Et je vous présente Rodolphe Hasselvander, qui est le papa de ce petit robot de convivialité. Chez Blue Frog, on a développé donc le robot Buddy, qui est un robot compagnon d'assistance, avec notamment les capacités de téléprésence, donc de pouvoir le contrôler à distance. Le programme Teddy est né d'un véritable besoin qui correspond en fait aux situations d'empêchement scolaire, présentiel, des enfants malades, pour leur permettre de continuer leur scolarité alors qu'ils ne peuvent pas être présents au sein même de l'école. La collaboration, elle a à la fois permis de changer la vie de milliers d'enfants malades ainsi que celle de leur famille, tout en permettant à une start-up comme nous de se transformer en aujourd'hui un acteur majeur en Europe dans le domaine de la robotique sociale et éducative. C'est une magie extraordinaire qui arrive dans l'hôpital avec ces outils-là. C'est la socialisation. Assister à l'école en n'étant pas là, c'est recréer du lien social avec le groupe scolaire autour d'un enfant atteint d'une pathologie grave. Donc dans le futur, notre idée, c'est vraiment d'aller dupliquer ce qu'on est en train de faire en France, vu que les besoins sont les mêmes. Les enfants malades, on en a autant en France que dans tous les autres pays. Je peux vous raconter l'histoire d'un petit enfant de 5 ans et demi, 6 ans. On lui a présenté la tablette pour être téléprésent. Quelque temps après, une dizaine de jours après, on retourne voir la maman. La maman était en pleurs. C'est que ça n'allait peut-être probablement pas. Et en fait, c'était pas du tout ça. Elle lui dit, mais vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez fait à mon enfant. Il est à l'école du matin au soir. Il participe complètement à toutes les activités de la classe tout au long de la semaine. Et la maladie est oubliée. Si on apporte un nouveau sourire à ces enfants, je crois qu'on a fait œuvre utile. Vous avez assuré, comme d'habitude.